Passer là juste après. Alors je voudrais d'abord, j'ai mon petit cahier là parce que j'ai plein de petites antisèches et surtout je veux rien oublier. Donc je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir, très heureux de vous présenter le résultat d'un travail de longue haleine. Ça fait maintenant à peu près un an que David m'a appelé, donc David Raymond, que je tiens à remercier tout particulièrement, parce qu'il est à l'origine de ce projet. Donc il m'appelle et il me dit « Tess, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? J'aimerais bien organiser quelque chose dans mon établissement. On vient de faire finir la première édition du festival. Et je commence à lui raconter un petit peu ma vie. Et ma vie, à ce moment-là, c'est encore d'enseigner la musique traditionnelle d'Indonésie, d'enseigner et de la pratiquer aussi. De fil en aiguille, on s'est dit, tiens, un truc sur l'Indonésie, ce serait vraiment génial. Donc on a commencé à réfléchir, à travailler. Je lui ai dit, ouais, mais un truc avec de la danse, ce serait super. Et comme je connaissais Kadek, j'ai tout de suite pensé à elle. Et voilà, de fil en aiguille, on a essayé d'élaborer un petit plan d'attaque. Je suis venu une première fois en septembre, et puis je suis revenu en décembre, et on est revenu avec Kadek en janvier. Toute l'équipe est venue nous voir aussi à Paris, visiter la cité de la musique. Vous avez quelques témoignages en photo dans le hall d'entrée de tous ces moments magiques. Et ce qui est incroyable dans toute cette histoire, c'est de voir aussi comment tous les élèves qui ont participé à ce projet sont rentrés petit à petit, sont commencer à fédérer et à nous suivre au début avec beaucoup d'interrogations, avec des yeux écarquillés, mais où est-ce qu'ils nous emmènent, qu'est-ce qu'ils nous font faire, mais c'est quoi tout ça, quoi, toutes ces découvertes.
Et au fur et à mesure, on les a vus adhérer au projet. Et ça fait comme un aimant. Et là, cette semaine, pour moi et pour Kadek aussi, ça a été vraiment un moment. Ce sera un moment inoubliable. Voilà, donc je tiens à les remercier tout particulièrement, tous les élèves qui ont participé à ce projet. Je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir. Comme je suis dans les remerciements, je vais en profiter aussi pour remercier une personne que j'ai rencontrée à l'occasion de ce projet, une personne que je trouve vraiment formidable, qui, sans lui, on n'aurait pas pu réaliser ce projet. Je voudrais que vous applaudissiez Thierry Feutry, le proviseur du lycée Paul-Victor. J'ai encore des remerciements, mais je vais peut-être attendre un petit peu pour varier un petit peu. Je vais vous parler, je vais commencer par vous parler de danse traditionnelle d'Indonésie. Alors, la danse que vient de vous interpréter Kadek, c'est une danse qui vient de Bali. Et c'est une danse qui a été créée par un très très grand danseur chorégraphe qui est maintenant décédé, mais qui a été vraiment une personne qui a révolutionné la danse balinaise dans les années 20-30. Et cette danse, il l'a créée de toutes pièces, il l'a dansée. C'est un homme qui s'appelle Wayan, je ne veux pas écorcher son nom, Wayan Lotting. Et donc la danse que vous venez de voir, en fait, c'est une danse qui s'appelle Panji Sembirang. Et Panji Sembirang, en fait, met en scène, c'est l'histoire du prince Panji. C'est une légende indonésienne. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire du cycle de Panji, parce qu'on en aurait vraiment pour très longtemps. Déjà là, je crois que j'ai parié avec David que je parlerai plus longtemps que Monsieur Feutry, et je crois que c'est une performance. Et l'histoire met en scène, là, le personnage qu'elle représentait, c'est la princesse Chandra Kirana. Et la princesse Chandra Kirana, en fait, est amoureuse du prince Panji, et elle part à sa recherche. Et donc là, cette danse symbolisait en fait la recherche de son bien-aimé. Et dans son parcours de recherche, elle se dit que pour pouvoir approcher son bien-aimé, pour pouvoir être au plus près de lui, elle se dit qu'il faut l'imiter. Et donc elle essaie de se transformer en Panji pour être au plus proche de son bien-aimé. Et c'est un petit peu ce que symbolisait cette danse. Donc toujours dans les danses d'Indonésie, alors il faut savoir qu'en Indonésie, il y a plus de 200 styles de danse. C'est très très riche, très très varié. Vous allez avoir l'occasion d'en découvrir certaines, pas toutes, on n'a pas eu assez de temps, mais certaines. Donc vous allez découvrir des danses de Sumatra, de la région de Aceh. C'est des danses qu'on appelle Tari Saman, vous allez les découvrir. C'est des danses qui se dansent plutôt à genoux, donc vous les reconnaîtrez très, très facilement. Tari Saman. Vous avez donc des danses balinaises comme vous avez une démonstration des centaines et des centaines de pièces de danse balinaises qui existent. Et puis à Java, on a aussi beaucoup beaucoup de styles de danse. Et ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'il y a en gros parmi tous ces styles de danse,
des caractères assez denses. Hein, et il y a en gros trois caractères principaux. Il y a un caractère, je vais vous donner les noms en javanais, il y a le caractère putri, qui est le caractère féminin. Il y a le caractère masculin, donc qui est le caractère gaga. Hein, c'est plutôt le caractère masculin viril, on va dire entre guillemets. Et puis on a le caractère intermédiaire entre les deux, masculin raffiné, qui est le caractère alus. Voilà, si on a quelques petites choses à retenir sur la danse javanaise, c'est trois petits caractères. Et parmi ces danses, hein, on a des danses de village et on a des danses aussi de palais. Et donc vous allez avoir, comme je le disais, plusieurs types de danses. Il y a des danses qui sont vraiment traditionnelles et la plupart des danses que vous allez voir ce soir sont des danses inspirées de danses traditionnelles qu'on a adaptées hein, pour les rendre plus accessibles. Hein, et donc vous allez découvrir tout ça dans quelques instants. Ensuite, je vais faire ma petite antisèche.